Ville Cap-Haïtien pral accueilli dans commencement week-end nan festival Pap Jazz. C'est sous boulevard au Cap-Lan que festival de jazz a pral dérouler année ça. D'après directeur artistique Pap Jazz la, Joël Wittmeyer, événement culturel ça a coïncidé avec 280e anniversaire naissance Toussaint Louverture. Nous profitons pour hommage à Toussaint Louverture qui c'est mon au Cap, qui c'est mon qui fait au du Cap. Donc pour nous Toussaint Louverture sont symbole de liberté pour l'humanité, pour la race noire, pour dans l'histoire, tout ça sont gros bagages que et jazz sont symbole de musique qui est liberté là-dedans, symbole de liberté qui bien nous rapproche très rapproche avec jazz. Donc mettez ensemble nous cap élaborer sous ça tout c'est représenté avec musique jazz, c'est musique jazzée. Peut-être si pas quelqu'un Toussaint Louverture, peut-être pas jazz pas même exister. Le monde n'est pas libre, nous n'avons pas libre, les slaves n'ont pas été libres pour être capable de déplacer en juste New Orleans, etc. pour être capable de faire jazz, faire musique, ça. Donc, il fait un peu de sens pour nous. Et puis, bon, voilà, c'est l'année du patrimoine aussi, année ça, c'est l'année du patrimoine. Et la ville du Cap, c'est la ville du patrimoine par excellence. Nous avons tout un bel monument qui est ici, qui représente tout le pays, tout le monument aussi, là, vraiment curé. Donc, pour toutes les questions, ça, nous avons choisi de dire au Cap, vraiment, année ça, nous croyons que nous avons fait. Pas jazz au Cap. Mais évidemment, c'est un festival qui est sur 8 jours, mais on est obligé de réduire à 2 jours, vu des moyens, parce que ça coûte beaucoup plus cher pour faire au Cap. Et déplacer tout le monde, déplacer toute une série de matériel obligé de venir avec eux. Dès qu'il y a un pile de matériel quand même, pour nous venir ici, par exemple, pour son stage, ben, ça, nous ne pas de venir à Pagnon, nous disons au Cap, il y a assez de matériel aujourd'hui qui est capable de faire ben, ça, nous utilisons tout le matériel au Cap. Donc, au Cap, vraiment offrir une belle évidemment, vitrine touristique tout. C'est monde qui veut venir sur la diaspora, sur Port-au-Prince qui vient au Cap. C'est pour des belles journées ambiance jazz qui pral gagner sous boulevard Cité Christophe Lan week-end qui vient là selon Joël Wittmeyer. Même si c'est 2 jours seulement, mais pour vraiment c'est 2 jours de belle musique, de belle ambiance que toujours dans Pap Jazz là, de belles artistes qui viennent et qui jouent jazz, il y a artistes locaux qui jouent, donc c'est vraiment une belle fête. Toute activité a fait sous boulevard au Cap Lan gratis. Ça veut dire monde qui vient dans festival jazz ça pas gain pour payer 5 gob a gain artiste national tant ou international sans compter groupe local ak banrara qui pral performer pendant 2 journées ambiance jazz ça dans deuxième ville pays a Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.